trouve ça un peu plate que mon compte de Noël soit un peu court. Fait que quand je vais avoir fini de le recopier à l'ordi, je vais le rallonger. Moi, je trouve que c'est difficile parce que je suis nouvelle dans l'ordinateur, mais je vais essayer de m'améliorer. Je trouve que c'est vraiment chouette parce que je vais avoir les histoires de toute ma classe de 3 et ça va être un gros souvenir. J'ai hâte de faire la page couverture pour le livre. Ça va prendre beaucoup de temps pour que je recopie moi à l'ordinateur parce que ça va prendre... Parce que je suis pas encore habituée à sans les boutons. J'ai hâte parce que j'ai bientôt fini mon texte. Je suis contente d'avoir fini mon texte puis avoir tout corrigé. Puis j'aimerais faire la page couverture. J'ai le goût de tout le faire. Puis quand je suis en vacances de Noël, ben j'aurai au moins un livre avec toutes les histoires de la classe 3. Moi, quand j'ai commencé mon texte, ben, je trouvais ça un petit peu difficile parce que au début, j'avais pas beaucoup d'idées. Et quand on a fait la tempête d'idées, ben, ça m'a donné beaucoup d'idées. Et là, ben, c'est là où j'ai fait mon histoire. Et là, quand je la recopie à l'ordinateur, je trouve ça compliqué parce que je suis pas habituée avec les boutons qui sont placés. Le livre un petit peu. Corriger les fautes avec eux. Tout le monde a fait un dessin pour 100 pages couverture et une boule de noix pour le collier derrière. Finalement, on a aussi photocopié nos textes sur les feuilles de couleur pour pouvoir les dessiner ensemble, mais avant il fallait assembler les histoires en ordre. On a beaucoup aimé faire le projet. Bonne lecture, Camélia et Je dirais quelque chose à Camélia. Je viens juste de finir son histoire avec le Yeti. L'histoire était très longue et très magnifique. Bravo! Un commentaire ici?
Ben moi, je vais dire mes commentaires à Asma, mais j'ai trouvé qu'elle a travaillé fort pour faire son histoire, puis j'ai beaucoup aimé. On peut applaudir après. Bravo! Oui! Et j'ai envie de dire un commentaire pour Camélia. J'ai aimé son histoire et c'était un peu triste. C'est un peu triste, mais ça finit bien quand même. OK! Je voulais dire quelque chose à Camélia. Son histoire était très instructive. J'aimais bien ça et c'était cool à lire. OK. Un message, oui. Moi, j'ai bien aimé celle de Micha Garçon parce que c'est une histoire longue puis il y a beaucoup d'essais puis c'était oui, il a fait beaucoup de tentatives pour régler le problème, oui. Je félicite à deux personnes, Camélia, son histoire était très longue, je la trouvais magnifique et celle de Mélissa, elle a pris beaucoup de temps pour le faire. Bravo. Moi, je félicite Baila parce que son histoire était quand même longue et j'ai bien aimé son histoire. Bravo. Moi, je féliciterais Asma parce que j'ai vu, même s'il y avait des mots que je ne comprenais pas et que je ne comprenais pas un peu le sens de l'histoire, mais à force de le relire, j'ai fini par comprendre son histoire. Bravo. Un autre message? Non. Oui? Moi, je félicite Carmélia parce qu'elle a passé beaucoup de temps à le faire. Oui, bravo Carmela. Et moi, je félicite Mélissa parce que c'est super beau. Bravo. Moi, je veux même félicite Cédra parce qu'elle a fait une histoire très longue et elle a fait des efforts. Oui, Cédra, a fallu que je coupe son histoire, il y avait 2 pages. Je félicite Baila parce qu'il y avait beaucoup d'action et quand je lisais le livre, je pensais qu'ils n'avaient pas le temps de réussir à donner le cadeau. Alors là, ils ont réussi, ouais. C'était actif. Tu trouvais qu'il y avait plein d'aventures. Ouais. Excellent. Je félicite Asma et Racha parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts.